Et son cœur, et son cœur.
gloire qui règne d'éternité en éternité. Tu mérites tout honneur. Tu mérites l'adoration. Parce que c'est dans ce but que tu as fait l'homme. Oui, tu voulais que ce que tu as fait, l'ouvrage de tes mains, puisse t'adorer. Et tu as élevé ta création jusqu'à un certain niveau. Et la perfection de ta création, c'était tes enfants. Et nous sommes ici pour te magnifier, pour t'élever et pour t'adorer. C'est pourquoi tu nous as fait, nous voulons te le rendre, Seigneur. Merci infiniment. Ce soir, nous te prions d'abaisser tes regards vers chacun de nous, de pardonner nos faiblesses et nos manquements. Pardonne toutes nos erreurs, nos péchés, nos iniquités. Seigneur, que cela soit sous le sang. En retour, Seigneur, nous voulons causer avec toi. Nous voulons te parler du fond de nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, d'être attentif à tout ce que nous te dirons. Parce que nous croyons que c'est cela que tu appelles la communion. Tu nous parles et en retour, nous répondons. Nous te parlons et en retour, tu nous réponds. Et nous voulons, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir. Dispose nos cœurs maintenant, Seigneur, et que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous dis bonsoir. Bonsoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, ce soir nous allons prier. Amen. Parce que je croyais que j'avais mes verres. Arrivé ici, je vais enlever pour lire, il n'y a pas de verre. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas lire de près. Amen. Ça veut dire que je commence à accumuler le poids de l'âge. Amen. J'ai toujours eu 10/10. Mais quand j'ai commencé à avoir 50 ans, alors de loin, parfaitement, je vois. Mais de près, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors notre frère Arnaud va nous lire un passage et nous allons prier. Amen. On va se mettre debout et on va écouter attentivement ce qu'il va nous lire. Le Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome 7. Deutéronome, chapitre 7. Tu vas lentement, pas trop rapidement, mais pour qu'on suive très bien. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Guigaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Amen. Tu ne traiteras point alliance avec elles. Amen. Et tu ne leur feras point grâce. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Amen. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Amen. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire
comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel. Vous briserez leur statue. Vous abattrez leur idole. Vous brûlerez au feu leur image taillée. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne serviras point les dieux, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tout le peuple que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Amen. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites.
Il livrera les rois en tes mains. Amen. Et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Amen. Aucun ne tiendra contre toi. Amen. Jusqu'à ce que tu les aies détruits. Amen. Vous brûlerez au feu les images taillées. Amen. De leur Dieu. Oui. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. Oui. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Amen. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée pas interdit. Amen. 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 Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'ajouter tes riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Amen. Nous asseoir. Amen. Amen. Oh, quand nous écoutons ce que Dieu dit, cela réjouit le cœur. Il a dit ce soir, on va prier. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Donc nous allons prier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, avec Dieu, là où nous placons, on est à l'aise. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous comprenez? Il a dit, ce n'est pas parce que vous êtes plus fort. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que je vous ai choisi, que je vous donne cet héritage. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, mais c'est parce que moi je vous aime. Amen. C'est parce que moi je vous aime et que je vous ai choisi. Vous êtes les plus faibles, physiquement les plus faibles, en nombre les plus petits. Mais je vous donne l'héritage des nations. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et ce que Dieu a fait avec l'Israël spirituel et physique, plutôt, Dieu le fait avec l'Israël spirituel. Amen. 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 Ce que Dieu fait avec l'Israël physique, voyez, Dieu fait cela avec l'épouse. Parce que l'Israël spirituel, c'est l'épouse. Amen. Amen. Parce que l'Israël physique, Dieu dit, c'est les prémices. Il dit, j'ai choisi Israël comme les prémices dans toutes les nations. Et l'épouse, ce sont les prémices de Dieu. Il dit, l'église des premiers-nés. Amen. Amen. L'épouse, c'est l'église des premiers-nés. C'est ce que Dieu a choisi parmi les nations comme prémisse. Amen. Donc, l'Israël physique, le type, c'est l'épouse. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Parce qu'il s'agit des prémices à chaque moment. Israël, il constitue les prémices des nations. Et l'épouse constitue les prémices de toutes les églises. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est pourquoi dans Israël, il y a des éléments des nations qui sont dedans. Amen. Et dans l'épouse, il y a Israël dedans. Amen. Parce que l'église a commencé à Jérusalem. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit, je suis saint. Vous aussi, vous serez saint. Amen. Et vous voyez qu'il a recommandé de détruire toutes les autres des nations. Amen. Je dis, on va prier. Donc, je ne fais que revenir sur ce qu'on a lu là. Amen. Vous n'allez pas prendre pour leur fille. Et vous n'allez pas prendre aussi leur fils. Amen. Ça, c'est une abomination. Amen.
C'est une abomination. Les frères ne peuvent pas aller prendre des païens, même pas les dérominationnels. Parce que dérominationnel, païen, c'est la même chose. Les soeurs aussi ne peuvent pas aller prendre païen bien dérominationnel. C'est entre nous. Si on est vilain, on doit se préférer. Si on est joli, on doit se préférer. Amen. Amen. Et on n'est même pas vilain. Parce qu'on a le beau caractère. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté physique, mais c'est la beauté spirituelle. Donc, on a le vrai caractère. Amen. Et en plus de cela, vous n'êtes pas vilaine. Vous êtes jolie. Les frères ne sont pas vilains, ils sont jolis. Donc, on a tout gagné. Amen. Mais je vais insister sur lire le verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, oui, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, oui, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Oui. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Oui. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Amen. Et mets-les en pratique. Amen. Oui, c'est quel verset? C'est le contentement de Marie. Ça, c'est le verset 11 et 10. Et le prêtre, tu as lu quel verset là-bas? Il a commencé au verset 7. Verset 7. 7. Remonte un peu. Ok. À partir du verset 2. Non, verset 3. Lis verset 5, 6, je vais voir. 5. Ok. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oui. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Ok, le verset 11. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Oui. Continue. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Amen. Il t'aimera. Il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. Écoutez bien, reprends. Il t'aimera. Il t'aimera. Il te bénira. Il te bénira. Et te multipliera. Et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il bénira le fruit de tes entrailles. Et le fruit de ton sol. Et le fruit de ton sol. Ton blé. Ton mou. Ton mou. Et ton huile. Et ton huile. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Amen. Amen. Oui, dis ce qui suit. Tu seras béni plus que tous les peuples. Ah. Vous n'avez rien entendu. Amen. Vous n'avez rien entendu. Amen. Reprends. Tu seras béni plus que tous les peuples. C'est quel verset? 14. Verset 14.
Est-ce que c'est le seul vers, c'est le seul élément qui est dans le verset 14? Non. Hein? Parce que quand on prend le verset 14, généralement, on aime citer la deuxième partie du verset 14. Ça, c'est vrai. On ne cite pas la première partie du verset 14. C'est comme si la première partie du verset 14, ça ne nous intéresse pas. Amen. C'est comme si la première partie, là, ça ne nous intéresse pas. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Or, la deuxième partie, ça contient l'enfantement. Généralement, c'est ce qu'on cite. Mais la première partie, là, on laisse passer. Pourtant, c'est dans le même verset. Bon, cite-nous totalement le verset 14. Amen. Mm-hmm. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi. Doucement, doucement. On va prier. Donc, ne te presse pas. Qu'est-ce qui a été dit? Tu seras béni plus que tous les peuples. Qu'est-ce qui a été dit? Vous ne croyez pas ça. Vous ne croyez pas ça. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Si vous croyez ça, vous n'allez pas mettre ça de côté. Parce que vous courez après la deuxième partie. Mais ça fait partie de la bénédiction. Parce qu'il a dit, je bénirai le fruit de tes entrailles. Mais là, il devient encore plus pointu. Vous voyez? Il devient encore plus pointu. Donc, reprends. Si vous êtes d'accord, alors on le saura. Tu seras béni plus que tous les peuples. Ah. Bien. Pause. Quand il a dit ça à l'Israël physique, je vous pose la question. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, Israël n'est pas béni plus que tous les peuples? Amen. Il dit, c'est parce que tu es beaucoup, mais tu es peu. Mais moi, je te rends puissant. Il dit, Israël sera une pierre pesante entre les mains des nations. Un petit pays qui est là, mais toutes les nations, Israël n'a peur de rien. Israël n'a peur d'aucune nation. Amen. Mais c'est parce qu'il y a une promesse qui est sur elle. Amen. Tu seras béni. Qui sur cette terre a commencé à faire fleurir le désert? D'où la technique a quitté. Parce qu'il a dit, le désert fleurira. Mais ce sont des hommes qui ont de l'intelligence pour faire pousser les choses dans le désert. Tu seras béni plus que toutes les nations. Est-ce que Dieu n'accomplit pas ça physiquement sur Israël? Amen. Or, la promesse qui a été faite à Abraham, il y a deux parties. Il y a l'Isaac physique. Amen. Il y a Isaac physique, qui est Israël physique. Or, nous savons que la véritable promesse, ce n'est pas l'Isaac physique, mais c'est l'Isaac spirituel. Qui vient par la postérité de la femme et qui est la semence foi d'Abraham. Donc, c'est à nous. Donc, on reprend. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Qui croit cela? Amen. Qui croit cela? Amen. Qui croit cela? Amen. C'est-à-dire, vous devez prendre ce verset-là, attaché à votre cou. Marchez avec ça. Partout. Jusqu'à ce que votre foi soit réellement, exactement au même niveau que la pensée de Dieu à ton sujet. Celui qui a dit cela, il dit, ma parole ne sera point révoquée. Il dit, je l'ai dit et je ne retirerai plus ce que j'ai dit. Amen. Bien, termine le verset. Tu seras béni plus que tout le peuple. Mm-hmm. Il n'y aura chez toi ni homme,
ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Généralement, c'est ça qu'on prend. Mais c'est le même verset. Il y a la première partie du verset et la deuxième partie du verset. Mais toujours, on cite la deuxième partie du verset. Amen. Comme c'est ça qui nous concerne. Il n'y aura pas d'homme stérile, tu n'auras pas de femme stérile, même un animal stérile dans ta maison. Amen. C'est ça qu'on prend et puis on avance. Mais cette première partie, on laisse tomber. Or, cette première partie, ça doit encore plus te faire aller de l'avant. Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Tu seras béni. Est-ce que tu crois cela? Amen. Il ne suffit pas de dire Amen. Il ne suffit pas de dire Amen. Avant de dire ça, il y a un processus. Il dit, ne crains pas ces nations. Ne vois pas leur force. Ne vois pas leur taille. Et quand il suit, voyez, il dit, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'esclavage. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Il dit, parce que je t'aime. Alors, je ne vais pas te frapper de la maladie de l'Égypte. Tous ces COVID qui vont venir là, ça c'est pour l'Égypte. Je vais les frapper de ça, mais toi, parce que tu m'aimes et que je t'aime, je vais te pailler de ça. Donc, ce sont des promesses pour nous. Toutes les maladies qui vont frapper le monde, dis toi, je vais te pailler. Mais c'est parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Amen. On ne croit pas. Amen. Je vais te pailler, mais eux, je vais les chicoter avec. Amen. Amen. Ils vont mourir de ça, mais toi, tu ne vas pas mourir de ça. Si Satan s'est trompé, il est venu vers toi, Dieu va neutraliser. Dieu doit neutraliser. Mais il faut qu'on croit. Il faut que tu crois. Amen. Donc, on va se baser sur le verset 14 et on va prier. Qu'est-ce qu'il a dit te concernant? Mon ami Élisée. Qui a dit cela? Est-ce que ce Dieu-là, il est digne de confiance? Il est digne de confiance? Tu peux lui faire confiance? Ce qu'il a dit là, tu peux lui faire confiance? Si tu peux lui faire confiance, tu auras selon la capacité de ta foi. Mais quand tu vas sortir, pourquoi toi commencer à gémir, tu ne lui fais pas confiance. Il a dit quoi? Il a dit, je suis béni déjà plus que tous les peuples. Est-ce que Dieu là, en disant dans cette parole là, il n'a pas réfléchi? Est-ce qu'il n'a pas réfléchi? Est-ce que quelqu'un a réfléchi à sa place? Il n'a-t-il pas les moyens d'accomplir cela? Ah non, il a dit quoi te concernant? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Agnero, il a dit quoi? Loloni, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, princesse, tu es béni plus que tous les peuples. Tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Amen. Caleb, il a dit quoi? Il a dit, Caleb, tu es béni plus que tous les peuples. Il a dit quoi? Il a dit, tu es béni plus que tous les peuples. Qui a dit cela? Est-ce que tu acceptes ça? Parce que toute promesse ne devient réalité que quand tu y crois sincèrement. Et que tu travailles sur ça. Trop longtemps, on a pris la partie B du verset 14. Si on peut y ajouter la partie A du verset 14, sans rejeter la partie B du verset 14, je crois que ça va se passer. Amen. Si, d'un commun accord, on peut prendre ce verset et prends ça comme une couverture et place sur l'église. Toutes les maladies qui travaillent à briser, voyez,
la multiplication de l'église. Parce que tu ne seras pas stérile. Celui qui n'est pas stérile, il se multiplie. Spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Amen. Amen. En détruisant cela, alors tu deviens fort, tu deviens nombreux, tu deviens puissant, tu deviens riche. Amen. 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 Oui. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'a pas dit que les peuples ne seront pas bénis. Mais ton niveau de bénédiction va dépasser n'importe quel peuple. Amen. Or, quand on nous regarde, on est en bas. Comme si cette parole, ça ne nous concerne pas. Ça te concerne. Ça concerne chacun de nous. Amen. Tu seras béni plus que. Si les gens sont bénis, quand tu vas aller au niveau de bénédiction, tu ne vas pas être effrayé. Tu as une promesse, dit, tu seras plus que ça. Donc, il faut travailler. C'est parce que je t'aime que je t'ai choisi. Mais il faut que tu sois un peuple saint. Ne éloigne de toi tout ce qui est sûr. Sois saint et crée-moi. Si tu es saint, tu te sanctifies. Mon alliance est renouvelée pour 1000 générations. Mais ceux qui ne me craignent pas, juste de représailles. Donc les représailles, quand on dit représailles là, si Dieu me dit représailles, ça veut dire c'est représailles. Il ne faut jamais tomber dans les mains de Dieu. Donc on va se lever. Ce soir, si dans ton cœur, tu peux laisser ce verset 14 rentrer et prendre le contrôle et conduire tes actions, tes actes dans la vie, rien ne peut se placer au-dessus de toi. Parce que tu as une promesse sur toi. Un fils qui marche en regardant à la promesse inscrite sur lui, ce fils-là, il ne peut pas ne pas atteindre l'objectif. Amen. 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 Une fille de Dieu qui marche en regardant à la promesse, il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Sur toi, Dieu a porté ses regards. Alors tu vas porter le sein de Dieu. Dit qu'il me soit fait comme ça. Et elle a commencé à marcher. La Bible dit, elle avait ça dans son cœur. Et elle repassa continuellement. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas oublier que Dieu m'a dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Comment veux-tu qu'il travaille? Or, Marie qui représente l'église épouse, la Bible dit, elle avait ça et elle, il pensait continuellement. C'est pas vrai? Elle mettait dans son cœur continuellement. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Mais aucun signe. Comment Dieu va la rendre enceinte? Ça, elle n'en sait rien. Mais c'est que le Saint-Esprit va la couvrir. Comment ça se fait? Mais elle dit, je suis enceinte. Comment Dieu m'a aimé? J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais elle n'a rien fait. C'est une fille comme toutes les autres filles. Elle n'a rien fait. Il dit, je t'ai aimé. Et c'est ce même Dieu qui dit, c'est parce que je t'ai aimé. Dieu t'a aimé. Pour que tu reçois ce message, Dieu t'a aimé. Pourquoi les gens passent, ça les énerve. Mais toi, tu aimes ça. Il pleut, tu es là. On dit, c'est quelle personne, tu es là. Mais si on dit 10 personnes, tu seras là. Amen. Parce que tu aimes le Seigneur. Et dit, parce que tu m'aimes. Et c'est moi qui ai fait ça comme ça. Moi, je vais te bénir plus que tout le monde. On va prier. Alléluia. Tu vas prier. Cette promesse-là, là où ça se trouve, tu vas aller découper ça. Dans la plaine de Dieu, tu vas rentrer, tu vas découper ça. Tu vas te couvrir ça comme un manteau. Tu vas faire cela comme un habit, un tissu que tu as aimé. Tu vas couler l'habit que tu aimes. Tu vas porter avec ça. Spirituellement, je parle spirituellement. Tu vas te revêtir de cette promesse. Et tu vas marcher avec cette promesse. Et alors cette promesse va ouvrir les voies. Peu importe les difficultés, ça va ouvrir les voies.
tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous les hommes. Tu seras béni plus que toutes les femmes. Dis même dans ta maison, un animal ne peut pas être stérile. Alors que toi, tu n'es pas un animal. Et puis non seulement tu es dans la maison de Dieu, mais toi-même tu es la maison de Dieu. Comment Dieu ne va pas agir? Ce qui est avec toi ne peut pas être stérile. Alors que lui-même, il est en toi. Il est non seulement avec toi, mais il est en toi. Donc, doublement, tu as une protection. Tu vas prier le Seigneur. Chaque promesse dans le livre est mien. Tu crois cela vraiment? Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je crois, oui, je crois en son amour. Oh frère, oui, je crois, ne laisse pas le doute t'envahir. Ne laisse pas le reste de moi t'envahir. Dieu a dit ça par la bouche des prophètes. Israël a cru cela. Peu importe ce que Israël est, Dieu a réalisé ça. Et Dieu continue de réaliser ça. Israël est là. Un petit peuple. Mais ce qu'il veut faire, il fait. Oui, je crois. Les gens vont monter et descendre. Les nations ont juste de quelqu'un parler. Israël, il n'y a pas une nation unie. Elle fait ce que sa loi nous dit. Oui, parce qu'elle a confiance en son Dieu. Elle sait que rien ne peut la détruire. Chaque promesse. Et toi, tu es la femme de l'agneau. Tu es l'épouse. Tu es l'épouse. Je t'aime. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je crois, oui, je crois. Un homme donne le meilleur qu'il a pour sa femme. Ce qu'il a de meilleur, ça, sa femme lui donne ça. C'est pas à quelqu'un d'autre. Dieu ne peut pas donner quelque chose de meilleur à quelqu'un d'autre, c'est pas à toi seul. Tu seras béni plus que tous les peuples. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il faut croire ce que Dieu dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. William Branham dit, quand Dieu parle et en fait un document signé, il ne peut plus jamais retirer cela. Même si tu fais l'élevage, tu seras le plus grand éleveur. Il dit, je bénis ton bétail. Tout ce que ton sol, il est le sol, tu l'as béni. Tu fais igname, ça sera béni. Tu auras plus que tout le monde. Tu fais manioc, tu auras plus que tout le monde. Tu fais gombo, tu auras plus que tout le monde. Tu fais tomate, tu auras plus que tout le monde. Ton rendement à l'hectare sera exceptionnel. Tu fais élevage, tu auras plus que tout le monde. En plus de cela, spirituellement, tu es béni. Financièrement, tes activités, ça doit marcher. Tout obstacle ne vient pas de Dieu. S'il y a un blocage, il dit que tu ne peux pas être stérile. Non. Stérilité physique, stérilité financière. C'est pas possible. Tu dois briser ça. Tous ces mots de l'Égypte, je t'épargne. Alors il faut briser l'ennemi. Tout ce qui fait un blocage, tout cela, c'est pas la promesse. Ce que Dieu n'a pas dit, ça ne te concerne pas. Ce qu'il a dit, c'est pour toi. Donc l'opposition ne peut pas t'arrêter. Tu dois braver l'opposition.
Tu dois lutter contre l'opposition. Tu dois briser l'adversité. Alléluia. Tu seras béni plus que tous les peuples. C'est ainsi dit la Bible. Dieu, c'est une promesse qui te concerne. Ne pense pas que tu n'es pas dit. Tu es plus que dit. Fonce. Ne t'arrête plus. Faut pas avoir honte. Avance simplement. C'est pas parce que tu es fort, mais c'est parce que je t'aime. Il y a une promesse. Malachi 4 est venu. Tu as cru en Malachi 4. Les obstacles, tailler en pièces, repousser l'ennemi. Aucune confrérie ne peut t'arrêter dans ta progression. Aucune confrérie, tous les démons, tous les sorciers du village ne peuvent pas t'arrêter. Il dit : je vais les exterminer, pas de quartier pour eux. Ils seront exterminés. Aucune confrérie, aucune puissance, ils ne les craignent pas. Si tu les crains, ils vont te faire du mal. Ne les crains pas. Tu as une promesse. Ne les crains pas. Ne crains pas l'adversaire. Ton Dieu marche avec toi. Il est au-devant de toi. Déjà, l'un de l'éternel met la peur dans leur camp. L'un de l'éternel les effraie déjà. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que c'est trop fort. N'ayez pas peur. La promesse, Dieu te rend plus riche. N'ayez pas peur de ça. Ne soyez pas effrayé par ça. C'est pour toi. Dieu en parlant, il sait ce qu'il dit. N'aie pas peur. Quand Dieu veut te lever, n'aie pas peur. Il a pris la dimension pour toi. Aucune puissance ne peut t'arrêter. Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zerubbabel, tu seras aplani. Prends cette parole. Couvre-toi comme des vêtements. Partout où tu passes, que cela se couvre comme ton habit, ton manteau, ta robe. C'est ton tricot. Partout, c'est écrit sur toi. C'est écrit sur toi. C'est dans ta vie. Tu dois prospérer. Tu dois t'élever. Tu dois, oh, t'élancer. Alléluia. Oui. Alléluia. On va prendre le verset 14 de Deutéronome 7. On va habiller l'église avec. On va habiller l'église par ce verset. Toute opposition. Voyez? À l'élévation spirituelle de l'église, on va briser ça. L'élévation physique, spirituelle, financière. On va, nous tous, on va prendre ce verset, on va habiller l'église. Toute la confrérie qui travaille pour mettre la lourdeur, la pesanteur, on va les écraser. Tous les démons, Satan sera avec lui, ceux-là ne vont pas prospérer. Dieu a déjà parlé. Leur discours, on a plus à faire leur discours. On va les poursuivre, on va les écraser. L'église doit grandir, la puissance de Dieu doit grandir spirituellement. La Bible dit, tu t'élargiras à gauche, tu
t'élargiras à droite. C'est ce que la Bible a dit. Il n'a pas dit que tu seras confiné quelque part. Il dit tu vas te tendre à gauche. Tu vas te tendre à droite. Donc tout ce qui est contre cela va te détruire. Alors ce soir, dès qu'on est d'accord, on va détacher Deutéronome 7,14. Et on va couvrir l'église. On va refouler les ténèbres dehors. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord? On va placer ça comme l'étendard. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Alléluia, il est le feu, alléluia, il est le feu divin, alléluia, il est le feu, alléluia, il est le feu, alléluia, il est le feu divin, il est l'épée. Cette promesse, on va attacher ça à l'église solidement. Rien ne peut te faire sur cela. Toutes nos positions doivent être brisées. Prions le Seigneur. La prière est notre puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, le frère Élisée va encore élever la voix. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi le Dieu de la Bible, nous te bénissons ce soir. Parce que c'est ici le jour que tu as créé. Amen. Le jour de notre changement radical. Amen. Nous prenons ce moment avec sérieux. Nous sommes sérieux tandis que nous nous tenons là. Autour de cette promesse. Car c'est le jour où la situation de l'église doit changer. Je fais sortir toute la foi que j'ai pour croire ce soir que c'est le jour décrété par Dieu pour mon changement, pour le changement de chacun de nous. Quelque chose est en train de se passer dans le domaine spirituel et que nous verrons dans le domaine naturel comme étant la confirmation de la promesse de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes ta semence. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton héritage. Alléluia. Alléluia. Et dans ton cœur, tu soupires et languis. Et oh Dieu Tout-Puissant, tu as résolu, déterminé, prêt à nous bénir abondamment. À nous voir à un niveau de bénédiction tel que le monde soit étonné de notre degré et notre hauteur d'élévation et de bénédiction. C'est l'heure du changement.
C'est l'heure de la confirmation de la promesse qui a été lue ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, que la même onction qui avait oué Gédéon, la même onction qui avait oué Gédéon et qui a mis fin au règne de l'adversaire, de l'oppresseur, de l'ennemi, que cette même onction, la puissance dynamique, l'ange puissant d'Apocalyptis, descende sur ton peuple ce soir pour mettre un terme à la pauvreté, un terme au dévorat financier, un terme à la misère, un terme au règne de Matthieu. Gédéon était le type. Nous sommes la réalité. Nous sommes la réalité. Ma situation doit changer. Je ne veux pas sortir d'ici comme ça. Je suis pas pour la guerre. Ma condition doit changer. La situation de l'église doit changer. Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne peux pas maintenir l'église dans cet état. Au nom de Jésus, par l'autorité de la parole, par la puissance de la résurrection, par le nom victorieux du Seigneur Jésus, au nom de Jésus le vainqueur, j'arrache dans la pensée de mon frère, dans le cœur de ma soeur, toute mentalité négative, toute mentalité de pauvreté, de bassesse, de médiocrité, de petitesse du diable. Nous sommes destinés aux grandes choses. Nous sommes destinés aux grandes choses. Je déracine toute pensée de pauvreté, toute pensée de peur, toute pensée de médiocrité. Je déracine ces choses au nom puissant de Jésus. Maintenant, ma pensée s'élève et je réalise que les grandes maisons m'appartiennent. Les comptes voitures m'appartiennent. Les comptes en banque m'appartiennent. Pour soutenir l'œuvre, pour soutenir mon frère, pour défendre le royaume de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, je dois être riche. J'accepte la richesse comme étant ma promesse. Je refuse de manger une fois par jour. Je refuse cela. Je suis destiné à manger plus de 3 fois par jour. Si je dois jeûner, je jeûne. Si je dois manger, je mange. Je suis destiné à être vêtu comme Salomon fut vêtu. C'est la Bible aussi. Je dis amen à ça. Je dis amen à ça. Je suis destiné à nager dans les millions et dans les milliards. Je crois ça aussi. Je dis amen à ça. Ce n'est pas un péché. C'est la promesse de Dieu. Je serai béni plus que tous les peuples. Seigneur, ça commence par un changement de mentalité. Peu importe ma situation actuelle, peu importe ce que je vois actuellement, ça ne compte pas. Je vois un homme qui est riche. Je vois un homme qui réussit. Un homme qui prospère. Et je rentre dans cette image. Comme le prophète l'a dit. Oh Père, que la situation de l'Église change. Et aujourd'hui, Père, Frère Branham nous a dit que tu ne parles pas en vain. Et que dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Tu as béni nos frères. Ils ont construit une maison pour le pasteur. Construit un bâtiment pour l'Église. Parce qu'ils ont cru cela. Parce qu'ils ont accepté cela. Père, nous demandons ta grâce. Puisses-tu souffler sur nous un vent puissant et impétueux qui va balayer la négation, qui va balayer la petitesse et qui va nous élever dans les sphères de la plein accomplissement des promesses de Dieu. Père, bénis ton serviteur. Les mots me manquent, Seigneur, mais je crois simplement que les pas de foi ont été placés sur la promesse. Et comme tu l'as dit, tout lieu que foulera les plantes de tes pieds, la plante de tes pieds, cela t'appartient. Par la foi, nous saisissons cette promesse. Et Seigneur, nous nous en emparons. Béni sois-tu.
Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour la bénédiction. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?